Bien bonjour les amis. Avant de commencer, je tiens tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui me suivent dans mes aventures et qui s'abonnent. Sans vous tous, probablement, la chaîne n'existerait plus. Merci à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon kit de survie que j'ai constitué au fil du temps et au fil de mes besoins. Quand je pars en randonnée, en bivouac ou simplement pour la journée, j'ai toujours mon kit de survie dans mon sac à dos, qui peut être très utile en cas de besoin. Et donc, le voici. La sacoche, c'est Soloniac. Une sacoche que j'ai achetée à Decathlon il y a de cela quelques années déjà. Et comme je l'ai dit à l'instant, je vais décrire son contenu. Allez, je vais ouvrir mon kit de survie pour vous le présenter. Et le voici. Avec tout mon matériel que j'ai souvent besoin sur le terrain. Je commence par cette partie où je vous présente où j'ai une pierre à aiguiser pour aiguiser mes couteaux sur le terrain, tout simple, un sac poubelle afin de ramener mes déchets sur le terrain, un briquet, une dragonne afin d'activer mes feux de boîte à feu, une dragonne que vous avez dû voir précédemment dans une vidéo que j'ai réalisée en Haute-Loire. Je continue. Alors, une petite scie. Une scie, je dirais plus un gadget, une petite gadget. Mais ça m'est arrivé de l'utiliser une fois. Une paire de ciseaux, écolier, que j'avais récupéré. Une couverture de survie qui peut être très utile en cas de besoin. Le terrain, un petit calepin pour prendre des notes, notamment pour finaliser mes montages vidéo avec quelques détails que j'ajoute toujours dans mes vidéos et même dans la description des vidéos, ou même pour vous répondre à vos commentaires à différentes questions. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ah si. Alors une carte multifonction qui m'est arrivé d'utiliser assez souvent, notamment pour décapsuler mes bouteilles de bière en acier inoxydable. Je crois qu'il n'y a plus rien de ce côté. Et bien cette fois, je vais vous présenter cette partie de mon kit de survie. Allez, je commence par ma petite lampe ma mini lampe de poche qui n'a pas un faisceau lumineux très important, mais en bivouac elle m'a bien servi, très pratique et très peu encombrante, avec trois positions.
je continue. Alors, un sifflet en cas de besoin. On n'en est jamais servi, mais ça peut être utile. Du gel hydroalcoolique, notamment pour me désinfecter les mains ou pour activer mes feux de bivouac dans ma boîte à feu ou autre. Un stick pour les lèvres, surtout en hiver, qui peut être très utile. Ma petite boîte de médicaments et même de la paracorde pour activer mes feux. Voilà, ça peut être utile. Ma petite pince que vous connaissez, que vous voyez souvent dans mes vidéos, ma petite pop gripper. Mon fer hostile, hein, que bien sûr, hein, qui produit d'excellentes étincelles pour activer mes feux. Mais j'ai toujours mon petit briquet, hein, en cas de difficulté pour allumer mes feux. De la paracorde, il doit avoir 3 mètres. 3 mètres de paracorde en cas de besoin. Un couteau suisse que je ne vous présente plus, hein, que vous voyez souvent dans mes vidéos, avec bien sûr sa lame. Un tire-bouchon. Ouais. Je m'en suis jamais servi d'ailleurs du tire-bouchon. Voilà, je replie la lame afin de ne pas me blesser. Et une petite scie qui m'est arrivée d'utiliser. Pas mal. Voilà, et d'autres accessoires, hein, que je vous ai déjà présentés dans une vidéo. Voilà, mon couteau suisse qui m'est très utile. Surtout sur le terrain, est très pratique. Enfin, je continue. Bonjour. Oui, il fait beau, hein. Bonne journée. Donc, où j'en étais? Je continue la description de mon kit de survie. Un petit stylo, un stylo bille, une pince chirurgicale, je ne m'en suis jamais servi, mais bon. Et un savon. Le savon, j'y tiens particulièrement à préciser sur ce savon. Il est écologique. C'est-à-dire qu'il ne craint pas d'infecter la nappe phréatique. Il est entièrement écologique. J'en ai toujours un à disposition dans mon kit de survie. Hein. Ça peut être très 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 utile afin de garder une hygiène toujours impeccable. Voilà. Deux petits mousquetons, mais arrivé à utiliser surtout quand je bivouac avec mon tarp, notamment pour accrocher ma paracorde, enfin voilà, ou pour tout simplement accrocher mes ustensiles de cuisine à un arbre. Voilà, ça peut être toujours très utile. Ça m'est arrivé. Du coton, hein, du coton qui peut être aussi très utile. Et surtout, ces lingettes. Ces lingettes pour nettoyer les verres de lunettes. Souvent, dans un orage, les gouttes de pluie salissent mes verres de lunettes et je ne vois plus rien. Donc je les nettoie avec ces lingettes et ça m'arrive de les éponger pour effacer les gouttes de pluie sur mes verres. Je crois que c'est tout. Hein. Ah si, une petite vis du manche de ma poêle que j'ai toujours. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, un petit crayon papier, hein, entouré
d'un élastique qui peut être très utile en cas de besoin. Voilà, et ben je crois que c'est tout ce qu'il y a dans mon kit de survie que j'avais envie de vous présenter. Et bien voilà les amis, la petite présentation de mon kit de survie se termine. Une petite question. Qu'est-ce que vous changeriez ou qu'est-ce que vous y ajouteriez dans mon kit de survie comme matériel? Répondez-moi dans les commentaires, je vous y répondrai. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous et à votre santé et à celle de votre entourage. Quant à moi, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. À très bientôt les amis. Salut. Et surtout, sortez dans la nature. Ça fait du bien. Croyez-moi.